Vous avez envie d'installer du gazon synthétique quelque part chez vous, sur votre balcon ou alors dans votre jardin, si vous en avez un, pour que ce soit plus agréable à vivre, mais vous ne savez pas quel modèle de gazon synthétique choisir? Eh bien, dans cette vidéo, on va voir ça dans le top 3 des meilleurs gazons synthétiques qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, je vais vous présenter trois modèles vraiment les mieux notés qu'on peut retrouver avec des prix présentés par ordre décroissant, donc en partant du modèle le plus cher au moins cher, pour vous faire gagner du temps lors de votre choix à ce niveau et apprendre évidemment les dimensions en fonction de ce que vous avez à couvrir. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et s'il y en a un qui vous intéresse, si un des modèles vous intéresse, que vous voulez voir plus d'infos, il y a tous les liens juste en dessous dans la description. Et on commence tout de suite avec le premier qui sera le gazon synthétique Valensai de 2 mètres x 5 mètres, sachant qu'il y a plein de variétés possibles. Là, je vous présente le 2 x 5 mètres, mais vous pourrez vraiment choisir ce qui va le plus avec la taille que vous avez besoin, donc 1 x 4, 1 x 5. 2 x 3, 2 x 6, 2 x 4, 2 x 8, 2 x 9, etc. Je ne vais pas faire toute la liste, il y a une trentaine de possibilités. Après, ils ne seront peut-être pas tous disponibles en stock. Vous pouvez prendre ce qui s'en rapproche le plus et ensuite, c'est simple, vous aurez juste à découper avec un cutter ce qu'il y a en trop. C'est vraiment très simple à faire. Donc, on aura une hauteur de fibre avec ce modèle de 25 mm, une fibre C-shape, donc à mémoire de forme pour une meilleure résistance. C'est résistant au chlore, traité contre les ultraviolets, avec une densité de 15 750 points par mètre carré pour un poids total de 2050 grammes, donc 2 kg par mètre carré, avec une perméabilité à l'eau de 60 litres par mètre carré. Donc c'est très correct, il est un petit peu cher peut-être, mais en tout cas c'est un des mieux notés, même si on n'a pas encore un nombre énorme d'évaluations. S'il vous intéresse, le premier lien dans la description. Le deuxième que je vais vous présenter, qui est lui sûrement un des plus populaires qu'on peut retrouver, notamment sur la plateforme Amazon, c'est le Werka Pro 10689 gazon artificiel. Avec celui-ci, c'est plus des bandes, donc je ne sais pas si ça va vous convenir à vous spécialement, mais là on va avoir une taille de 1 x 10 mètres, donc 10 mètres carrés au total. Après, encore une fois, il va y avoir d'autres déclinaisons, notamment au niveau de l'épaisseur, vous pouvez choisir plus ou moins épais, et la taille évidemment au niveau du nombre de mètres carrés. Donc, si vous n'avez pas de gazon qui pousse dans vos espaces extérieurs, vous pourrez changer ça avec ce gazon artificiel au niveau des apparences. En tout cas, c'est très bien imité. C'est un gazon artificiel qui est doux au toucher pour un rendu le plus naturel possible. On a des fibres de monofilaments qui sont bicolores, vert sapin et vert plutôt bambou. Un gazon artificiel qui est traité anti-UV, qu'il ne craindra pas le soleil, qui résiste également aux intempéries grâce à la matière donc qui est du polyéthylène et un support en latex doublé, donc c'est idéal pour revêtir le sol d'un balcon ou pourquoi pas d'une terrasse ou à placer autour de la piscine aussi, c'est beaucoup fait. Donc on va avoir, comme je l'ai dit, les dimensions pour ce modèle de 1 x 10 mètres pour 10 mètres carrés. Au niveau du grammage, 1150 grammes par mètre carré. Vous pouvez le nettoyer facilement au jet d'eau. Donc ça peut être intéressant, on a énormément d'évaluations positives, je vous laisserai des avis défiler pour que vous puissiez voir 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 135 évaluations, le prix en plus pas trop élevé, donc ça peut vraiment valoir le coup. Voir plus d'infos sera le deuxième lien en dessous. Et pour finir, le Carpeto Rugs Premium Gazon Artificiel pour balcon terrasse synthétique. Celui-ci, on aura une taille plus petite. Le modèle présenté, on a seulement du 100 x 200 cm, donc 1 x 2 mètres, 2 mètres carrés. Donc évidemment, c'est très peu. C'est pour ça qu'il sera évidemment beaucoup moins cher. Si vous voulez prendre plus, encore une fois, il y a énormément de déclinaisons. Il faudra évidemment mettre le prix. On a 4,2 étoiles, donc c'est pas le meilleur en termes d'évaluation, mais c'est le plus populaire, le plus acheté avec plus de 200 évaluations. C'est idéal pour les balcons, pour un jardin ou encore pour un patio. Tout simplement parfait pour tout espace extérieur ou intérieur. On aura un parfait mimétisme avec un gazon synthétique qui peut être employé partout. Une résistance exceptionnelle aux intempéries telles que la pluie, le gel, le soleil. Installation facile, nettoyage facile à l'eau ou avec un aspirateur. Il y a des petites ouvertures en dessous qui permettent une
haute absorption de la boue et une perméabilité à l'eau évidemment. Un ajustement facile, vous pourrez découper sur mesure à l'aide d'un cutter ou alors de ciseaux directement. Le seul reproche qu'on a pu lui faire au niveau des commentaires clients, c'est que la couleur était peut-être un petit peu trop foncée. Ça donnait un vert plus foncé que la moyenne des gazons synthétiques. Donc là, c'est une question de goût. Est-ce que vous avez envie d'avoir un gazon synthétique qui est vraiment vert un petit peu pétant ou vert un petit peu plus sobre, plus sombre? C'est vraiment une question de déco, de choix personnel. En tout cas, celui-ci peut valoir le coup aussi. Et on en a fini pour ce comparatif des meilleurs gazons artificiels, gazons synthétiques qu'on peut retrouver sur le marché, que ce soit pour mettre sur votre balcon, du coup il y aura à en acheter beaucoup moins, ou si c'est pour mettre dans un jardin autour de la piscine. S'il y a un des modèles qui vous intéresse, que vous souhaitez voir plus d'informations, plus de détails, il y a tous les liens comme j'ai dit juste en dessous dans la description en fonction de l'ordre d'apparition des produits. Ça vous permettra de voir les prix exactement, de constater par vous-même les évaluations clients, d'en voir plus à ce niveau et de finaliser votre choix. Moi, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous faire gagner un petit peu de temps. Si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. À très vite et à la prochaine. Ciao.